bien, salut tout le monde, c'est MrBboy45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien aujourd'hui. On se retrouve pour l'épisode 6 de notre incroyable aventure sur Dead Space, évidemment. Comme d'habitude, 4K 60 FPS, un casque ou des écouteurs. Préparez-vous parce que je peux vous le dire, ça va swinguer. Et plongez-vous dans l'ambiance du mieux que possible. Let's go! Normalement, il n'y aura plus de gravité là. Mais il y aura de l'oxygène là. Ok. Ok. Centrifugeuse activée. Rétablissement de l'équilibre avec la charge tectonique. Ok. Bon, bah, on a rééquilibré le pouvoir de la Force. Je crois. Oh, c'est stylé. On dirait que la centrifugeuse est repartie. Il reste plus qu'à redémarrer les moteurs. Oh! J'ai trop peur. Quand vous voulez. Je dois aller où? Oh, c'est trop bien fait. Mais attendez, c'était comme ça dans... C'est trop bien fait. Ouah, c'est... Hey, l'ambiance, elle est... Oh, oh. Oh non, je suis mort. Oh non. Oh non, je suis mort. Ok. Ok, let's go. Allez, s'il vous plaît. Un peu d'oxygène ou je suis cuit. Yes, merci. Ah, c'est pas grave, on va s'en remettre. Ok. On en reprend un peu. Let's go! Alors, ce soir... Je suis mort. Qu'est-ce que je viens de faire là? Un aller simple pour l'enfer. Ok. Oh, c'est pas évident, hein. Il faut savoir redescendre pour mieux remonter. Oh là là. Ok. Très bien. Ok, allez, dégage, t'en supplie, meurs. Ok. Très bien. Plus de peur que de mal. Let's go, là, on va être bien, là. Allez. Ouh ! Une petite save, je peux vous le dire, ça ne fera pas de mal. Ok, let's go. Eh ben... Facile, cette connerie, hein. De toute façon, on ne peut pas avoir assez mal. Wow ! C'est quoi ça, frère ? Ok, je t'explose, baby. Non, mais je vais te déclater la gueule. Ok, bon, ça va. Par contre, hé, la petite récompense, les gars. C'était un boss, un peu, non? Where is the little... little reward? Les mecs! Avec, bah, volontiers, les gars. Volontiers. Ok. Voilà, les gars, c'est caché, ce bordel, hein. Ah, un APT, hein. Ok. La vache. Bonsoir. Oh, bordel de merde. Sûrement là. C'est bon. Vous avez pas vu ça? Ok. Superbe.
amis, j'ai envie de vous dire là, pour l'instant, c'est totalement géré. Ok. Suivant. C'est un bel ascenseur. Un peu trop beau, je trouve. Ok. Isaac, le dépôt de carburant est ouvert. Ça te permettra d'accéder à la salle des machines. Très bien. J'apprécie qu'à moitié. Petite save. Petite save pour les braves. Ok, superbe. Allez, c'est parti. Nouveaux endroits, nouveaux plaisirs. C'est l'histoire de la vie. On va passer par là-bas. Ouais, je suis une poule mouillée, moi. Je me promets toujours avec... avec un moyen de défense, au moins personne fera l'ignorant. Entrée en zéro gravité. Damon, j'ai piraté les fichiers sécurisés. La CEC n'était pas ici pour une simple revendication minière, hein. Comment ça? Cette flambée a débuté au sein de la colonie quand les mineurs ont déterré un artefact. Un truc extraterrestre. C'est impossible. Mais ça expliquerait pourquoi EGIS-7 est censé être interdite d'accès. En vrai, ordre du gouvernement de la Terre. Quand les mineurs ont trouvé l'artefact, ils ont signalé des cas d'hallucinations, de paranoïa, des suicides. Mais l'Ishimura a embarqué ce monolithe malgré tout. Quoi? Monolithe? Ok, on se calme. Où est ce monolithe? Dans la suite. Bien emballé pour la livraison. C'est bien géré de ma part, ça. Superbe, on prend ça. Je vais prendre un petit peu des... Plus de peur que de mal. Ok. Superbe. Sortie d'une zone en zéro gravité. On est dans la sauce. Oh, on est dans la sauce. Sauce aigre douce. Ok. Ça me plaît bien. Bon. Ça. Équipé. Ici. Là, je commence à avoir des plans. C'est terrible. Ok. Ça, tu sais que ça va partir en couille. Je vous aurais prévenu. Voilà. Ok. Hop. Tir principal et mur de feu. Bien. On demande d'aller en bas. Au moins, il y a quelque chose ici. Journal d'ingénierie. Dernière entrée. Temple en rapport. Personne ne répond plus au lien Rig. Je crois que mon équipe a été décimée. J'ai trouvé le module de télékinésie qui a servi à bousiller la centrifugeuse. Il est cramé.
Qui saboterait l'Ishimura dans un moment pareil? Je vais contacter la passerelle. Ah. Il reste encore quelqu'un. Du sabotage? Et je vais chercher Elisabeth pour qu'on se tire de ce satané vaisseau. Bah dis donc. Ok. Qu'est-ce que c'est que le mur de feu? Ah, le feu, ça brûle! C'est ok, c'est ok, c'est ok. Plus de peur que de mal. Ok. C'est bien, ça. Ça me plaît, ça. En plus, inventaire plein qui plus est. Oh, ça commence à être tendu! Tendu des fesses! Avoir plus de PV, why not en vrai, non? Vous en pensez quoi, vous? J'en ai deux. Ça ferait un. Deux. Et là, j'aurais plus de PV. Je vais tout mettre sur mon personnage. Je le sens bien. Je peux vous le dire. Ok. Dans cette boutique. Très bien. Et attendez, qu'est-ce que c'est? Composant rare. Oh la vache. Ok. Ok. Okay. L'ambiance elle est particulière, désolé pour ceux qui n'aiment pas. Ok. Pour ceux qui aiment pas tout ça, les hémoglobines, tout ça, tout ça. La vache, j'ai tellement d'argent. Ok. Là-bas, très bien. Je pense qu'il va falloir que j'y aille, de toute évidence. On a quelque chose. Désolé. Habilitation confirmée. Ok. Ok, ok, un chargeur entier quand même pour tuer, c'est terrible. C'est terrible alors. Putain de terrible. Ok. Ah! Okay. C'était évident. Waouh, c'est trop. Ok, 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 ok. À nous, mon gaillard. L'ambiance, encore une fois, est plutôt surprenante. Je dirais même plus, elle est incroyable. Ok. Bon, regardez ce qu'on va faire. Nous allons utiliser ceci. Ensuite, nous allons utiliser ceci. Ce qui libère une place pour un semi-conducteur. Bah écoutez, ça me paraît pas trop mal tout cela. Super, il lâcherait jamais rien, lui, c'est terrible. Ok.
droit suivant. Qu'est-ce que c'est? Il y a forcément une sorte de... que ça vaut moins. Bien. Allez. J'arrive. Ok, j'aimerais beaucoup la corriger, mais laissez-moi respirer là 5 minutes. Ouh. Ok. Ouais, non, vas-y, c'est peut-être pas mieux. Voilà. J'ai pas trop de temps. Phase d'alimentation du moteur. Remplacer l'unité d'énergie pour déclencher la seconde étage. Très bien. Ah! Allez! Terrible, hein. Alerte, panne d'alimentation du moteur. Remplacez l'unité d'énergie pour déclencher la séquence d'allumage. J'ai compris, c'est la merde partout, mon pote. Hop, ça chefouille, hein, on a le temps. C'est la merde, mais quand même. On peut prendre un petit peu de temps pour soi. Superbe. Quoi d'autre? Alerte, panne d'alimentation du moteur. Remplacez l'énergie pour déclencher la séquence d'allumage. Je vous promets que j'ai compris. Laissez-moi un peu tranquille. Croyez-moi que je vais tout fouiller. Parce que c'est le but d'un survival horror. Ok. Bien. Alerte, panne d'alimentation du moteur. Remplacez l'unité d'énergie pour déclencher la séquence d'allumage. Ok. Là, je suppose qu'il va falloir que je l'emmène quelque part, c'est ça? Ah oui, ok. On va laisser ça là, les amis. Comme ça, normalement, en montant un tout petit peu plus haut, on va pouvoir réouvrir les petites trappes. The little trap. Vous savez quoi, je vais prendre le lance-flamme, j'aime bien tout cramer. Putain. Courant requis. Alerte, oh panne d'alimentation du moteur. Remplacez l'unité d'énergie pour déclencher la séquence d'allumage. C'est pas vrai. Mascol. Ok, faut que j'aille là-haut. On va y arriver, on va s'en sortir, bougez pas. Alerte, panne d'alimentation du moteur. Remplacez l'unité d'énergie pour déclencher la séquence d'allumage. En fait, je comprends pas là. Courant requis pour redémarrer le moteur, ça j'ai bien compris, mais enfin. Est-ce que, vraie question, il n'y a pas de recharge de stase?
Hein? Bougez pas. Ça serait pas là par hasard? Alerte. Pas d'alimentation du moteur. Remplacez l'unité d'énergie pour déclencher. Super. Séquence d'allumage initialisée. Veuillez patienter. C'est un peu complexe tout ce qui est en train de se passer pour être très 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 honnête avec vous. Il y a des bails un peu partout. Ok. On prend. Et j'ai ma stun les gars, va falloir que j'achète. Hein. Va falloir que je commence à investir dans la cocaïne. Veuillez confirmer l'ordre d'allumage. Mais bien sûr, tu l'as alors, t'inquiète. Allez go, allume-moi ça. Retourner à la station. Je ne sais pas trop ce qui se passe là. Néanmoins, en utilisant ceci, je vais pouvoir me défendre d'une manière totalement gratuite. Évidemment, ce n'est pas infini, je n'aurai qu'une utilisation. J'espère en faire bon usage. Isaac, vous avez réussi. Ishimura fonctionne à nouveau. C'est pas grâce à la personne qui a saboté ses moteurs, en tout cas. Grâce à vous, on a pu trouver une solution. Le pilote automatique nous emmène en orbite géostationnaire. Attendez, vous nous emmenez vers les débris du brise-surface? C'est à ça que sert la DEF, notre système de défense. Oui, mais la DEF est morte. J'ai toutes les données sous les yeux. Hammond, l'Ishimura est dans un sale état. Quelques coups de plus, et ce sera terminé. Merde. Daniels, donnez-moi tout ce que vous avez et je vais essayer d'ajuster la trajectoire. Isaac, désactivez le verrouillage du tram depuis l'ingénierie, j'ouvre la station de la passerelle. Rejoignez-moi là-bas. C'est pas vrai, je suis un ingénieur ou je suis quoi les gars? Je viens d'être l'esclave de cette terre. Ok, allez c'est parti. Let's go pour la suite de notre aventure, encore une fois, encore again and again and again. Je suis l'homme qui sauve toutes les situations. Ok. Pour le coup, par contre, il y a un truc qu'on ne peut pas reprocher à Dead Space, c'est que, en vrai de vrai, le jeu a un level design extrêmement intelligent pour le coup. Mais vraiment. Et ça, ça fait vraiment plaisir. Ok. Ça, Nicole? Qu'est-ce que c'est? Oh non. Je crois qu'il y a quelqu'un. Harry? C'est pas vrai. Oh non, c'est tellement injuste.
Injustice. C'est tellement injuste. Aïe, aïe, aïe. Oh, c'est tellement injuste. Le bruit qui vient tellement longtemps après. Bon. Ok. Bon, allez, écoutez, on va vendre ça. Superbe, on va vendre ça. Superbe, on va vendre ça. Superbe. Et on va acheter quoi? On va acheter ça, je suppose. Très bien. Et on va acheter ça. Le reste, on verra bien. Il me reste 11 000. Ça va, c'est pas trop dégueulasse. C'est pas trop dégueulasse. J'ai un petit peu... Attendez. En vrai, de vrai, je pense que je vais acheter des soins. Parce que j'ai un petit peu le seum de ce qu'on vient de vivre. 5 000! Ouais, non, ça va être 2000, hein, à péter. Hein. Bon, allez, vas-y, 5 minutes. Non, mais attends, autant prendre deux comme ça, en fait, non? Non, je sais pas. Ok, let's go. Let's go, let's go, let's go, let's go. Alors! Les amis. Attendez, c'est quoi, là? Vers le centre. En fait, ce qui est terrible, c'est qu'il me faut une forge. À quoi ressemblent les forges? Établi. Ok, j'ai vu à quoi ça ressemble. Et il n'y en a pas. Superbe ça, let's go. Let's go, on est bien! Incroyable ce petit mur de feu. Je sais qu'il me régale de jour en jour. Ok. Diplôme d'ingénierie. Très bien. Épisode 4, oblitération imminente. Ah. Bon les gars, nouvel endroit. Nouvel endroit, nouveau plaisir. C'est terrible. Levé du verrouillage de la station. Ok, let's go. Let's go, let's go, let's go. Alors, où veux-tu aller? Passerelle, je suppose. Waouh, on va devoir aller à l'autre comme ça. C'est loin, sa mère. Je vais en profiter pour boire une petite gorgée. Vous devriez faire de même. Ok, il y a encore des endroits où on ne peut pas aller de toute évidence, je crois. Donc ça, ça va, c'est pas le plus gênant. Bon! Même le temps de discuter. Incroyable. Quel bonheur. On va littéralement du point A au point Z. Sans passer par la case départ. Ok. Très bien. Allez, faites-moi rêver, s'il vous plaît. J'ai l'impression de plus avoir de mules. J'ai l'impression que tout devient très compliqué, là. Hein. Oh là là, mais ça, ça fait flipper sa mère. Hein. Isaac, je vois les canons de défense. Ils sont dans un sale état. J'ai besoin de votre aide. Je ne perdrai pas l'Ishimura. Pas maintenant. L'Ishimura, Amand? Ou le monolithe? Là, ils ont trouvé. Pas ça avec nous. La CEC était au courant pour le monolithe depuis le début, pas vrai? C'est pour ça que vous êtes ici, non? On n'envoie pas l'Ishimura pour une opération de minage secrète. Mais pour une technologie extraterrestre, ça se tient plus. Et perdre mon équipe, ça colle avec cette théorie, peut-être. Hey, arrêtez vos conneries. On est dans un champ de débris. Il faut qu'on réactive la DEF ensemble ou c'est terminé. Retrouvez-moi au poste du capitaine. Daniels. Ok. Je vais éplucher les registres du vaisseau. Je trouverai des réponses. Là, c'est toujours verrouillé. Ça me paraissait évident. Très bien. Le level design fait très, 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 très fort. Bon, je vais aller checker à droite parce que... C'est bien ce que je pensais. Ah ouais. Ok.
pas, les gars? Oh, les bâtards, ils ont assisté deux fois, c'est trop fort, ça. Ça, c'est bien joué de leur part. Ok, bah, j'ai normalement plus rien à vendre. J'ai normalement plus rien à vendre. Écoutez, les amis, on va s'arrêter là. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à la prochaine pour la suite de notre aventure. Bisous tout le monde, portez-vous bien. Bye bye. Et je vous vois, on n'oublie pas le j'aime et le commentaire, hein.